question. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Nous laissons maintenant la parole à la défense de Nguyen Chia pour la suite de l'interrogatoire de la partie civile. Vous avez la parole, maître. Maître Pao, merci beaucoup, monsieur le président. Il me reste encore quelques questions à vous poser à propos de votre formulaire de renseignement sur la victime. Toujours à des fins d'éclaircissement. Vous avez indiqué comme lieu de naissance village de Trapeang-Klok, commune de Chak, district de Kamchang-Myar, dans la province de Preveng, sur votre premier formulaire de renseignement, alors que le deuxième formulaire que vous avez remis par DCCAM, il est écrit que vous êtes né à l'interprète n'a pas saisi, car deux micros sont allumés. Quel est votre lieu de naissance, le premier ou le second? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à l'avocat des parties civiles. Maître Kembenki. Monsieur le Président, il s'agit d'une question répétitive. Elle a déjà été posée et le témoin a dit être né à Preveng. Maître Pao, je vous remercie donc de ces renseignements. Je ne l'avais pas saisi. Monsieur M. Eun, vous avez parlé de votre travail comme médecin au secteur 20 et que vous étiez sous la supervision du camarade Com. Vous avez aussi dit ne pas vous connaître son nom de famille, que vous ne le connaissiez que sous le nom Com. Ce monsieur Com, était-il responsable de l'hôpital ou du secteur 20? À des fins d'éclaircissement, je vous prie. Réponse, ce n'était pas comme, je n'ai jamais parlé de comme. Je n'ai jamais dit comme. J'ai parlé de Hot. Hot était le chef de l'hôpital rattaché au secteur 20. Question. Tout serait-il bon de citer la transcription de jeudi dernier que l'on retrouve à la page en anglais 57 en Khmer 48-49. Peut-être y a-t-il une question de traduction. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit en anglais. Je cite, j'ai commencé à travailler comme médecin au secteur 20 sous la direction du camarade Com. Je ne connais pas son nom de famille. Je ne le connais que sous le nom de Com. Fin de citation. Donc peut-être que le nom a été mal interprété, mais y a-t-il quelqu'un dont le nom ressemble à Com qui aurait été votre supérieur dans le secteur 20? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la partie civile. Maître Kembenki. Merci.
Monsieur le Président, j'aimerais apporter une précision. La transcription en khmer, enfin selon la transcription de l'audience en khmer, le nom était Khm, pas Khom. Maître Pao, cela m'aide beaucoup, je vous remercie. Donc, ce monsieur Khm, quel était son rôle? Réponse. Khm était le secrétaire du secteur 20. Hot était le chef ou le directeur de l'hôpital rattaché au secteur 20. Maître Pao, je vous remercie. Voilà qui m'éclaire sur ce sujet. For now, do not have any further questions to pose to you. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser, Monsieur M. Je vous remercie pour toutes vos explications et votre patience. Et je laisse maintenant la parole, avec l'autorisation de la Chambre, à la prochaine équipe de défense. Mon collègue national me dit qu'il n'a pas de questions à poser. Avec votre autorisation, je laisse la parole à la prochaine équipe. Le Président, merci. La Chambre souhaite maintenant laisser la parole à la défense de Yang Sari pour son interrogatoire de la partie civile. Maître Carnabas. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous et toutes au tribunal et aux alentours, et bonjour, Monsieur. Je m'appelle Maître Michael Carnavas, et avec Maître Angoudam, nous représentons les intérêts de Yang Sari. Permettez-moi de poursuivre là où a laissé mon confrère. Vous avez dit qu'en 1975, vous avez reçu la tâche de soigner des gens, à bien que vous n'ayez aucune formation médicale. On le retrouve à la page en Khmer 00. Donc, bon, il s'agit du document D22-3963. On retrouve donc cette information à la page en Khmer 00-57-39. 76 à 77, en français 00, 78, 61, 85, et en anglais 00, 75, 18, 67, ou page 7. S'il était possible de porter notre attention à ce paragraphe, vous écrivez qu'en 1975, on m'a affecté à soigner des gens même si je n'avais aucune formation médicale. Si j'avais refusé, on aurait cru que j'aurais été accusé d'être un ennemi. Si je n'avais pas été capable de soigner qui que ce soit, on m'aurait accusé d'être un ennemi. Voilà ce que j'ai vécu dans le secteur 20 en 1975. Sous la direction de Ta Hut. Plus tard, en 1976, l'Ankar m'a inclus comme membre actif du régime. La même année, l'Ankar m'a envoyé suivre une formation à Phnom Penh. J'avais très peur, car mon père avait disparu après avoir été envoyé à étudier, lui aussi. Au cours de mes études, je résidais à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique à Phnom Penh. Et
Voilà qui met fin à la citation pour l'instant. Voyez-vous, monsieur, cet extrait de votre déclaration dans votre demande de constitution de partie civile quand vous avez reçu l'aide de personnel de DCCAM? Réponse, oui, c'est ce que j'ai écrit. Question, donc vous l'avez écrit vous-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour vous, ce sont vos mots, à savoir que vous n'aviez pas de formation médicale. Réponse. L'écriture est la mienne et le contenu aussi. Question. Personne n'a écrit ça pour vous. Personne n'a pu se tromper en interprétant mal votre message. C'est vous qui avez indiqué dans ce document que vous n'aviez pas de formation médicale. N'est-ce pas? Réponse, effectivement. Question. Je vous renvoie au document D22-3963-1, en anglais seulement, c'est un passage bref. Voici ce qu'on y trouve. Il s'agit d'un rapport sur la demande de constitution de partie civile, rédigé par d'autres. Le demandeur a déclaré que même s'il n'en savait rien, en 1975, il a été désigné pour être médecin dans le secteur 20, dont le chef était à Out. S'il ne pouvait pas traiter des patients, il serait tué. Le RN est le suivant, 00-57-39-62, en anglais seulement. Est-ce que vous maintenez cette déclaration également? Ou qui a été faite en votre nom? Le président, parti civil, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Oui, la défense revient sur cette question de mention dans le formulaire de l'absence de formation médicale. Concernant ce point-là, la question a déjà été posée par la défense de Nunchia et la partie civile a été très claire en disant « je n'avais pas reçu de formation médicale formelle, mais j'avais appris sur le tas et c'est pour ça que j'avais dit que je n'avais pas de formation médicale en tant que telle. Alors, si c'est sur ce point-là que la défense veut poser des questions, je crois que cela a déjà été éclairci par la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Maître Carnavas, brièvement, laissez-moi répondre. Peut-être que cette personne ne sait pas que je représente un autre client. Peut-être qu'il pense que la défense constitue une seule entité. Or, il y a trois entités différentes. Nous représentons trois clients différents. Même si l'accusation et les parties civiles font partie fondamentalement de la même équipe, du même camp, elles ont couvert ce thème aussi. J'ai le droit d'examiner ce point. Mon confrère en a parlé brièvement. J'ai l'intention d'aborder cela parce que je représente un autre client. Et ceci concerne la crédibilité de cette personne, de son témoignage et de son statut de partie civile en tant que tel, raison pour laquelle j'ai le droit d'en parler.
Le président, l'objection de l'accusation est retenue. Il s'agissait d'une question répétitive. L'objection est valide et retenue. Maître, veuillez passer à la question suivante. Maître Canavas, très bien. Prenons la transcription, page 51, audience du 23 août 2012, à la page en Khmer, 46, anglais 56, ou plutôt, se reprend l'orateur, français 56, anglais 51. On vous pose une question à la 21e ligne de l'anglais. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous avez fait pendant cette période et où vous avez vécu ? Réponse, à cette époque, à compter du 7 avril 1975, et avant cela, j'étais médecin. Après 1975, je suis resté médecin. Fin de citation. D'après vos propres termes, avant 1975, ou au moins avant avril 1975, vous étiez bel et bien un médecin. C'est vous qui le reconnaissez. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Prenons la partie dans laquelle vous dites que vous n'aviez pas de formation médicale. Page 56, même date, 56 en anglais, en Khmer 50 et 51, en français 60-61. Vous dites ici, je cite, « Je suis venu à Phnom Penh comme serviteur, j'ai vécu chez mon grand-oncle et j'ai acquis certaines compétences médicales parce que mon grand-oncle était médecin. » Je marque une pause. Votre grand-oncle était-il un médecin traditionnel ou bien un médecin ayant reçu une instruction officielle? Réponse. Pour être précis, mon grand-oncle était un médecin ayant reçu une formation officielle. Il a été médecin à l'époque du régime du roi Sihanouk. Et c'est à ses côtés que j'ai appris sur le tas certaines compétences médicales. La défense. Sous ce régime-là, possédait-il une licence lui permettant d'exercer la médecine, à votre connaissance? Réponse. Mon grand-oncle était médecin dans un hôpital. Moi, son neveu, je ne savais pas où il avait obtenu sa licence. Tout ce que je savais, c'était qu'il exerçait en tant que médecin à l'hôpital khmero-soviétique. La défense, ça allait être ma prochaine question concernant l'hôpital en question. Merci. À la même page, vous dites que vous aviez une dizaine d'années quand votre grand-oncle a commencé à vous enseigner la médecine. Vous dites que vous avez commencé à traiter des patients en général. Est-ce exact? Réponse, oui. Question, à la page suivante, en Khmer 52, français 61-62 et anglais 57, vous dites ceci. Vous dites qu'à un moment, vous avez été envoyé au Vietnam pour recevoir une formation, pour des séances de formation. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question.
Quel type de formation médicale avez-vous reçue au Vietnam et combien de temps la formation a-t-elle duré? Réponse. La formation Eh bien, après la prise de pouvoir des Khmer Rouges, il y avait un manque de médecins. Et c'est mon grand-oncle qui m'a demandé de me former au Vietnam. Question. Pouvez-vous répondre à ma question? Combien de temps êtes-vous resté au Vietnam? Quel type de formation y avez-vous reçu? Le président. Partie civile, attendez. La partie civile a la parole. Maître Kim Menki. Je conteste cette question. Il a dit. Qu'il avait été formé par des Vietnamiens, pas nécessairement au Vietnam. La défense. Peut-être que mon confrère pourra vérifier. C'est la page 52 en Khmer, en français 61-62, en anglais 57. La partie civile a dit, je cite, « Plus tard, les Khmer Rouges ont vu que mes compétences n'étaient pas assez bonnes pour être utilisées. Après avoir consulté mon père, j'ai été autorisé à aller suivre des sessions de formation au Vietnam sur ordre direct de M. Sopim, secrétaire de la zone Est. Vous souvenez-vous avoir dit cela? Et si oui, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit? Réponse. Je n'ai pas dit ça. Il y a peut-être un malentendu. J'ai dit que j'avais été étudier le vietnamien et pas au Vietnam. La défense. Je voudrais être sûr de bien comprendre. Ici, dans votre réponse, un peu plus haut, voici ce que vous dites. Après avoir quitté Phnom Penh, je suis rentré chez moi où j'ai subvenu aux besoins de ma famille et de mes parents. Je le répète, mon père avait été haut placé dans le mouvement Issarak. Par la suite, les Khmer Rouges ont appris que j'étais fils de médecin, membre d'une famille dont les membres, historiquement, avaient des compétences dans le domaine médical. On m'a donc demandé de travailler pour les Khmer Rouges. Et par la suite, les Khmer Rouges ont constaté que mes compétences n'étaient pas assez bonnes pour être utilisées. Et après avoir consulté mon père, on m'a autorisé à aller au Vietnam suivre des sessions de formation sous les ordres directs de M. Sopim, secrétaire de la zone Est. Ensuite, en réponse à la question suivante, vous dites... J'avais moins de 20 ans, j'ai commencé la médecine et j'ai soigné des patients et en même temps, je subvenais aux besoins de mes parents. Aujourd'hui, est-ce que vous nous dites que Sao Pim voulait que vous étudiez le vietnamien plutôt que la médecine? Car d'après votre réponse, vous parlez de compétences médicales. Alors c'est l'un ou c'est l'autre? Response.
Réponse. La vérité, c'est ce qui suit. Après avoir quitté Phnom Penh et être rentré chez moi, Sao Pim, avec l'approbation de mon père, m'a laissé étudier la médecine au Vietnam. La défense. Merci. Donc, vous êtes au Vietnam. Vous étudiez la médecine. Combien de temps êtes-vous resté au Vietnam? Et à quel moment était-ce? Réponse. J'ai passé 3 ans à suivre des sessions de formation médicale au Vietnam. Je pense que c'est la durée exacte. J'ai peut-être oublié, mais ça, c'est la période durant laquelle j'ai assisté à ces formations. La défense. Donc, après 3 ans de formation médicale au Vietnam, vous êtes rentré au Cambodge, est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Ici, vous dites que vous aviez moins de 20 ans quand vous avez commencé la médecine et commencé à traiter des patients. Est-ce que ça, c'était avant ou après les sessions de formation médicale au Vietnam? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai acquis une formation médicale informelle dès mon plus jeune âge, alors que je vivais chez mon grand-oncle. La défense. Très bien. Passons provisoirement à autre chose. Page suivante. En khmer, page 53. En français, 62. Et en anglais, 58. Ici, vous apportez des précisions à votre réponse. Je cite. Après que j'ai quitté le Vietnam, mon père et Ta So Pim et Ta Com m'ont demandé de travailler comme médecin pour le secteur. Est-ce exact que votre père, So Pim et Com, vous ont demandé de travailler comme médecin? Réponse. Oui. Question. Donc, ils ne vous ont pas forcé à devenir médecin ou infirmier. Ils vous l'ont demandé, et ça, c'était après avoir reçu une formation de 3 ans au Vietnam, en plus de la formation pratique que vous aviez obtenue auprès de votre grand-oncle à Phnom Penh, n'est-ce pas? Réponse. Laissez-moi préciser. Quand j'ai dit que j'avais participé à des sessions de formation, je faisais référence à des sessions de formation officielles. Mais en plus de cela, j'ai aussi acquis des compétences de façon informelle, hors d'un système officiel. Question. Quand vous êtes rentré du Vietnam et qu'on vous a demandé de devenir médecin, quand votre père et Sopim vous l'ont demandé, était-ce avant ou après avril 1975? Réponse.
Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas compris. La défense. Quand vous êtes rentré du Vietnam et que vous avez commencé à travailler comme médecin pour le secteur 20, était-ce avant ou après la chute de Phnom Penh? Réponse. Quand j'étais infirmier dans le secteur 20, c'était avant la chute de Phnom Penh. Question. C'était combien de mois ou combien d'années avant la chute de Phnom Penh? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Je passe à autre chose. Passons à la page 58 du Khmer. En français, page 67-68. En anglais, page 63. Je cite, j'ai travaillé après que le secteur m'a demandé d'enseigner la médecine, on m'a demandé de servir le peuple en général. Avez-vous commencé à enseigner la médecine avant d'aller à Phnom Penh, 75 ou 76, ou à une autre date, ou bien après? Réponse. J'ai étudié la médecine dans le secteur 20. Après la chute de Phnom Penh, j'ai dû assister à ces sessions à différentes reprises, tout d'abord au Vietnam, mais aussi dans le secteur 20. Question. Quand avez-vous commencé à enseigner dans le secteur? Était-ce avant la chute de Phnom Penh ou après? Réponse. J'ai enseigné la médecine aussi bien avant qu'après la chute de Phnom Penh. Mais mes connaissances étaient limitées auparavant. Par la suite, j'ai acquis d'autres compétences. Le principe était que ceux qui en savaient davantage devaient enseigner pour ceux qui en savaient moins. Question. Même page. Vous dites, je cite, « Je devais enseigner aux autres le code de déontologie dans la perspective qu'ils deviennent médecins ou infirmiers. J'ai constaté que la politique du parti était bonne et je voulais communiquer aux autres les bonnes choses. » Je leur apprenais à comprendre leur position. S'ils étaient médecins, ils devaient assumer pleinement la responsabilité des soins, car si quelqu'un mourait en cours de traitement, ils en seraient aussi responsables. Je leur ai aussi enseigné
les causes des maladies et leur traitement. C'est à la page 58 de la page en Khmer. C'est juste après 13h41 10 secondes. Vous souvenez-vous avoir dit ça? Vous parlez de la politique du parti. Était-ce, selon vous, la politique telle que vous la compreniez avant la chute de Phnom Penh? Réponse. Je n'ai pas compris la question. La défense. Procédons par étapes. Vous dites que vous deviez enseigner la déontologie du médecin. Vous dites que la politique du parti était bonne. Cette politique du parti, d'après vous, était-ce la politique d'avant 1975? Réponse. C'était avant la chute de 75. J'ai dit que la politique était bonne, sinon je n'aurais pas pu rester avec eux. Question. Est-ce que la politique est restée la même après 1975? D'après ce que vous avez pu observer dès lors que vous aviez reçu une formation à Phnom Penh. Réponse. Je n'ai jamais enseigné de questions politiques. Je ne faisais qu'enseigner la médecine. Question, c'est justement ce dont on parle. On parle ici de code de déontologie sur la façon dont les médecins doivent se comporter, qu'ils doivent assumer leurs responsabilités. Et voilà exactement ce dont je parle. Était-ce donc la politique après 1975 comme vous l'aviez observé? Réponse. La politique du parti avant 1975 était assez décente pour que l'on travaille pour eux. J'ai été surpris par le changement de politique après la chute de Phnom Penh. Question. Monsieur, nous parlons ici de médecine. Vous êtes médecin. Et voici le contexte de cette politique, comme vous l'avez dit. Ensuite, sur la page en Khmer, 58 à 59, en français, 68 à 69, et en anglais, à la page 64 de la transcription. Juste après 13h44, 28 secondes, vous dites, après que des gens aient su que j'avais obtenu des connaissances médicales et voulaient que je poursuive cette carrière, et tous les membres de ma famille qui étaient médecins, donc comme médecin, ayant ces compétences, on m'admirait et on m'a demandé de soigner d'autres personnes et d'enseigner cela à d'autres personnes. Voilà donc mes antécédents. D'accord? Donc, c'était avant ou après 1975 que l'on vous jouissait de l'admiration des autres pour vos connaissances médicales? Quand j'ai que mon chat.
Réponse. C'était avant 75. Maître Carnabas. Très bien. Donc, si ces gens vous admiraient avant 75, ont-ils continué d'avoir de l'admiration pour vos connaissances médicales après 1975, en particulier après que vous soyez allé à Phnom Penh pour recevoir une formation complémentaire en médecine? Réponse. Je n'ai vu personne par la suite qui pouvait me dire qu'il m'admirait. Tout le monde était intimidé. Nous avions tous peur après la chute de Phnom Penh. Perhaps something was lost. Maître Carnabas, peut-être quelque chose s'est-il perdu en cours d'interprétation. Je vous ai demandé si vous, la partie civile, vous, monsieur, étiez admiré pour vos connaissances médicales après 75. Vous avez dit qu'avant 75, les gens vous admiraient. Ont-ils continué donc d'avoir de l'admiration pour vos compétences en médecine après 75? Réponse. Avant 75, les gens avaient de l'admiration pour mes connaissances. Après 75, ils ont continué d'avoir recours à mes connaissances médicales. Et encore aujourd'hui, on vient me voir pour des conseils en médecine. Maître Carnabas. Lorsque vous êtes venu à Phnom Penh pour recevoir une formation en médecine, je comprends que vous avez reçu de la formation politique, ou du moins des enseignements de théorie politique, mais j'aimerais que l'on parle ici de la médecine. Vous souvenez-vous combien de mois a duré votre formation médicale à Phnom Penh? Combien de mois ou d'années? Réponse. Comme je l'ai dit dans mon document, la formation médicale était censée durer un an. Dans les faits, je n'ai suivi le cours que pendant 9 mois. Mais j'ai aussi assisté à des cours médicaux de courte durée qui duraient 2 ou 3 mois. Ce n'était pas un programme de formation très rigoureux, mais il était nécessaire pour connaître, pour acquérir des connaissances médicales de base. Sous le Cambodge démocratique, il fallait être très bon dans notre tâche, car sinon, on courait un risque pour notre vie. Question. Pendant combien de temps, combien d'années aviez-vous pratiqué la médecine avant de venir à Phnom Penh pour recevoir cette formation complémentaire? Réponse. Je ne m'en souviens pas avec précision. Question. Et vous avez dit avoir passé 3 ans au Vietnam pour recevoir une formation en médecine. Vous souvenez-vous combien d'années après votre retour du Vietnam, pendant combien de temps, combien d'années avez-vous pratiqué la médecine avant d'aller à Phnom Penh pour recevoir une formation?
Après avoir quitté le Vietnam, j'étais rattaché à l'hôpital du secteur 20. Je ne me souviens pas de la date précise à laquelle j'ai commencé à travailler là et combien de temps j'y ai travaillé. Maître Carnavas, vous souvenez-vous quel âge vous aviez? Réponse, non, je ne m'en souviens pas non plus. Question, vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez en 75 ou en 76? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne peux donc pas répondre à votre question. Maître Carnavas, pouvez-vous nous dire l'année de votre naissance? Réponse. Je pense que vous le savez déjà. J'ai 60 ans. 61, se reprend l'interprète. Question. En combien de temps avez-vous travaillé en médecine? Vous avez indiqué dans votre demande de constitution de partie civile que vous n'aviez aucun antécédent médical. Donc, si vous avez commencé en médecine, vous avez reçu une formation dès l'âge de 10 ans. Donc, en 75, on essaie de calculer un peu pendant combien d'années vous aviez pratiqué la médecine ou reçu une formation. Pouvez-vous nous dire donc quand vous êtes né? Réponse. Si on veut connaître mon âge exact, c'est difficile. Parce que je change d'âge de temps en temps. Mais je suis né en 1951. Is there a reason why you would change your date? Question. Y a-t-il une raison pour laquelle vous changez de date de naissance? Ça donne ici l'impression que vous cherchez à confondre les gens quant à votre âge. Le président, la parole est à l'accusation. Deux choses, Monsieur le Président. D'une part, je ne comprends pas très bien où veut en venir la défense avec cette ligne de questions. Et deuxièmement, il me semble que le témoin a dit qu'il était né en 1951, qu'il n'avait pas changé de date de naissance, mais que son âge changeait. Donc quand le temps passe, son âge finit par changer, Monsieur Carnavas. Mr. President, first of all, Maître Carnavas, c'est une question de véracité de ses dires, c'est-à-dire à savoir s'il dit la vérité comme partie civile. Et c'est ce qu'essayait d'établir mon confrère de la défense de Nguyen Chia, de voir pourquoi certaines de ses réponses ont changé. Maintenant, on nous dit qu'il change la date de naissance. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a compris en anglais. Donc, si c'est le cas, j'aimerais savoir pourquoi quelqu'un change de date de naissance, à part pour dissimuler ou manipuler. La réponse, ce qui, une fois de plus, vient mettre en doute la véracité de ces dires. Donc voilà pourquoi j'aimerais peut-être demander à la partie civile de préciser. Change-t-il sa date de naissance à différentes personnes? Tout dépendant du contexte. Réponse. J'aimerais répondre à cette question. L'accusation habite
a dit parler de ce changement d'âge. Je dis que j'ai 51. Je n'ai jamais changé mon âge, mais le temps a changé. Question. Donc, si vous êtes né en 51 et que vous avez commencé à pratiquer la médecine à 10 ans, à l'âge de 10 ans, du moins la formation que vous avez reçue en 75, cela faisait de 13 à 14 ans que vous pratiquiez la médecine. Vous avez une expérience en médecine de 14 ans. Est-ce exact? Réponse. Je n'ai pas dit quand j'ai commencé à étudier. J'ai dit que j'ai commencé à apprendre la médecine quand j'étais assez mûr. What you stated to DC Camp. Maître Carnavas, laissez-moi citer ce que vous avez dit au Centre de documentation du Cambodge et je vous demanderai ensuite si vous choisissez de maintenir vos propos ou vous de corriger cette déclaration. Vous indiquez ici, dans votre demande de constitution de partie civile, en 1975, j'ai été affecté à travailler comme soignant pour traiter des gens, pour soigner des gens même si je n'avais aucune formation médicale. D'après les réponses que vous avez données dans votre comparution dans les jours précédents et aujourd'hui, maintenez-vous toujours qu'en 1975, vous n'aviez aucune connaissance médicale? Réponse. Je maintiens ce que j'ai écrit dans le formulaire de renseignement sur la victime. Et je maintiens aussi ce que j'ai écrit et qui porte mon empreinte digitale. Le Conseil de la Défense dit que je ne dis pas toute la vérité, mais pour éviter tout doute quant à ma sincérité, j'aimerais jurer au nom des dieux. Look at page 10. Le Président. La parole est au Conseil de partie civile. Maître Kim Menki. Monsieur le Président, avec votre permission, je suggère que l'on reporte l'interrogatoire de la partie civile, car elle est très émue par les questions qu'on lui pose. Il est donc très important de faire une pause. We have no objections, Mr. President. Intervention inaudible de Maître Carnavas. Le Président. Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Car la partie civile ne semble pas être se sentir. Sa partie civile ne se sent pas bien. Et le conseil demande à ce que l'on lève l'audience plus tôt que prévu pour le déjeuner. Nous reprendrons donc à 14 heures et huissier d'audience, veuillez
prévoir une salle pour que la partie civile puisse se reposer avant la reprise des débats. Nous reprendrons donc les débats à 14h. La Chambre indique aux partis et aux membres du public, nous reprendrons les audiences demain. À 14h, car demain matin, Yeng Sari recevra un examen médical. Et c'est pourquoi il est nécessaire pour nous de reprendre à 14h. Je vois que la défense de Nguyen Chia demande la parole. Allez-y, maître. Maître Pao, merci, monsieur le président. Monsieur Nguyen Chia aimerait pouvoir suivre les débats de cet après-midi depuis la cellule de détention temporaire, car il a des maux de tête, et il souffre de douleurs au dos et un manque général de concentration. Et nous avons préparé le document de renonciation. La Chambre est saisie d'une demande de Nguyen Chia présenté par sa défense, demande par laquelle il souhaite suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire et renonce à son droit de participer directement à l'audience et invoque des questions de santé pour justifier cette demande. Il a en effet de la difficulté à demeurer assis pendant de longues périodes dans le prétoire et c'est pourquoi la Chambre fait droit à la demande de Nguyen Chia, demande par laquelle il souhaite suivre les débats depuis la solution temporaire par moyen audiovisuel. Nguyen Chia a renoncé à son droit de participer directement au débat dans le prétoire. Toutefois, la Chambre demande à la défense de Nguyen Chia de remettre le document de renonciation immédiatement, document qui doit porter sa signature ou son empreinte digitale. Les services techniques doivent maintenant assurer le lien audiovisuel entre la cellule de détention et le prétoire pour que Nguyen Chia puisse suivre les débats pour le reste de la journée. Garde de sécurité, veuillez conduire Q100 Nguyen Chia aux cellules de détention du tribunal. Cet après-midi, Nguyen Chia restera dans la cellule de détention temporaire pour pouvoir suivre les débats depuis cette même cellule. Quant à Q100, Veuillez à ce qu'il soit de retour au prétoire avant 14h. L'audience est suspendue. ចង់ចាប់ដើមជិតដំបូករហូតបានសាធារណជនជិត 12,000 នាក់ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរបស់អវតកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសកម្មភាពដែលការនេះមិនដែលកើតមានពីមុនមកទាល់តែសោះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដោយអវតកដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួននៅឡើយរំពឹងថានឹងកាត់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងការចូលរួមបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជននៅពេលអនាគត.